Parce que ce matin, tu as dansé. Je t'ai vu, tu as dansé. Tu es béni au nom de Jésus. David était un grand roi. Il a déposé son manteau de roi. Et il a dansé la gloire de l'Éternel. Et ce matin, tu as fait plus que David. Et le Seigneur se souvient de tes pas de danse. Il se souvient de tes pas de danse. Et que là où on t'avait limité, là où on t'avait arrêté, que l'Éternel étend tes limites dans le nom de Jésus. Il se souvient de cette louange. Et qu'il étend tes limites dans le nom de Jésus. Bien-aimés, on va encore pousser notre culte. On va encore passer à une étape très importante du culte qui est l'adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas demander quelque chose à Dieu. Mais adorer Dieu, c'est le louer, c'est le magnifier, c'est dire Éternel, quand je contemple le ciel que tu as créé, et quand je contemple la terre que tu as créée, quand je contemple l'eau et tout ce que tu as fait, oh Éternel, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, et tu es un Dieu merveilleux. Et en même temps, on va introduire, on va dans tout personnel, pour ceux qui sont assis, parce qu'en même temps, on va introduire le père de la maison, le prophète Joël Shalom Kasso. On va le passionner pour la gloire de Jésus. On va le passionner. Dieu est le véritable Dieu. Ouvre ta bouche ce matin
et adore ton Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Il dit qu'il est Dieu. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Adore ton Dieu. Pour l'amour, j'adore ton Dieu. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te rendre compte de la gloire. Tu le mérites, notre Dieu, l'honneur et la gloire. Nous voulons te saluer, Dieu, notre Dieu. Nous voulons te rendre la gloire parce que tu es Dieu. Reçois la grâce. Thank you.
Sans que le Père est l'attire. Il dit encore dans sa parole, ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. Nous allons chanter ce cantique, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Yeah.
Dieu pour toi. Pour toi. L'amour de Dieu pour toi. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a aimé ce monde, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est à cause de toi que Jésus est monté à la croix. À cause de nous, il est monté à la croix. Jésus a commis l'ignominie, la plus grande erreur. Il est devenu à la croix. Ils se sont moqués de Jésus. Jésus a payé le prix. À cause de toi. C'est à cause de toi que Jésus est monté à la croix. Il a eu un moment donné la croix. Son père l'a abandonné. Parce qu'il avait le péché de l'humanité sur lui. Le péché était sur lui. Il dit, Père, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, 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 lama sabachthani. Il me dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de nous. Que l'innocent Jésus a été crucifié. Crucifiez-le. Est-ce que les gens disent crucifiez-le? Crucifiez-le. À cause de nous. Pécheurs, sorciers, menteurs, malfaiteurs, c'est à cause de nous que Jésus est monté à la croix. Lève tes mains et dis merci à Jésus pour le salut qui t'a donné la croix. Dis-lui merci. Dis merci à ce sauveur. Dis-lui merci. Oh, alléluia. Oh, merci ce matin. Merci. Il dit, je vous appelle désormais mes amis. Son sang nous a justifiés. Vous savez, la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute injustice. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a fait de toi un fils du royaume. Et ton nom est désormais inscrit dans le glorieux livre de vie. On peut t'appeler aujourd'hui enfant de Dieu. Selon 1 Jean le chapitre 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a fait de toi un fils du royaume. Jésus a fait de toi un fils du royaume. Mon seul appui, c'est l'ami, c'est Jésus,
jamais. Je ne te délaisserai jamais. Ton père peut t'abandonner. Ta propre main peut t'abandonner. Jésus est l'ami fidèle. Il n'abandonne jamais. Jamais. Il est encore puissant et capable de te délivrer. Il est encore puissant et capable de te guérir. C'est la miséricorde. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. N'importe où les comptes, il dépend de lui. Ton mari peut t'abandonner, même te trahir, mais lui ne trahit jamais. Ta femme peut t'abandonner, il te trahit, Jésus ne t'abandonne jamais. C'est la vie fidèle. Lui seul peut guérir cette douleur. Lui seul peut chier la douleur. Rejeté de ses parents. Il n'y a que Jésus seul qui a gardé son cœur.
Les gens l'ont rejeté à cause de la sorcellerie. Ils l'ont même abandonné, renié. Et Jésus l'a récupéré. Pendant que je parle, la puissance de Dieu te fait du bien. Là où tu as été, l'Esprit vient te consoler maintenant. Va dans le cœur épuisé. Va dans le cœur épuisé. Jésus vient restaurer. Il vient apporter une restauration à ta vie. Reçois la vie de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle. Oui, reçois la vie du Saint-Esprit. Là où tu es arrêté, la main de Dieu vient te consoler. Elle te conserve maintenant. Elle vient jusqu'à te consoler. La puissance de Dieu vient jusqu'à te consoler. Parle de Dieu. Jésus te console. Le consolateur, il vient jusqu'à te consoler. Mon Dieu te console. Jésus te console. Jésus te fait du bien. Mon Dieu te fait du bien. Là où tu es assis, la puissance de Dieu te fait du bien. Jésus te console. Les gens peuvent t'abandonner, mais lui demeure fidèle. Il est l'ami fidèle, Jésus. Il ne me rejette jamais. Il dit, je ne le mettrai jamais dehors. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. Celui qui vient à moi, il est fidèle, Jésus. Il est fidèle. Parce que tu es seul, non. Il est dans ta vie, Jésus. Dans Ésaïe 43, il dit, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Le feu ne te brûlera point. Il est fidèle, ton Dieu. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis merci à Jésus pour sa fidélité. Oh, les noms, là. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Notre Dieu. Oh, le Lord. Oh, le Père, la Seigneur, le I go.
C'est l'adoration à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Faut que j'explique ça là pour ne pas qu'on passe ce fétiche. Voilà. Quand la corne sort, c'est qu'il y a consécration. Amen. Ce qui caractérise le prophétique, c'est la consécration. Le prophète m'a toujours comme, comme c'est symbole de force. On peut prendre de l'huile, verser sur la tête. En ce qui concerne les instruments, les choses les plus importantes, c'est la corne. C'est le symbole de force. Nous prenons un Samuel. Pour ne pas que les gens pensent que c'est petit, il est dans la Bible. 1 Samuel 16. Vous allez lire ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir ma corne comme ça. Non, non, non. Amen. Si j'ai mis lui, puis je t'ai consacré, c'est terrible. Personne ne pourra t'introduire. De chasser le trône. Personne. Amen. Amen. Lisez-moi Samuel 16. Amen. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Hein? Je l'ai rejeté. Très bien. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Afin qu'il ne règne plus. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Et va. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Isaïe. Bethléemite. Amen. Quand j'ai vu parmi ses fils la corne d'huile, je fais sortir la corne parce qu'on va consacrer les instruments à Dieu. Ouais, il faut que ça soit consacré à Dieu. C'est pour ça que la corne est sortie. La sort pas comme ça. Amen. Amen. Voilà. Ceux qui ont vu, ils vont dire, ah, mais quoi ça? Je vais super gris, mais c'est quoi ça? Amen. Amen. Je vous explique. Nous, il y a un problème. Tout ce qu'il y a fait, il y a deux versets. Il y a plus de 3000 versets dans ma tête. Si tu veux, je vais tout pas verser. Parce que la Bible est dans mon cœur. On dit amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Nous sommes à un culte. Dieu nous a bénis durant toute cette semaine. Amen. Des personnes sont mortes. D'autres n'ont pas encore fixé la date d'enterrement. Ils sont morts. Pendant qu'ils sont morts, d'autres sont en train de mourir. Dieu te fait la grâce d'avoir le sourire.
C'est dans sa présence qu'il faut l'adorer. Nous sommes un culte, il est d'adoration. L'adoration ne demande plus à Dieu. Vous savez, il y a l'adoration, c'est quoi? C'est de dire les mérites de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a créés. C'est pour l'adorer. Amen. Le but de l'homme sur cette terre, c'est pour adorer Dieu. C'est tout. Et ce dimanche-là, c'est pour adorer notre Dieu. Mon frère, pendant que je parlais, je chantais les louanges à l'éternel. Je t'ai vu, tu t'es déshabillé. Personne ne pouvait t'arrêter. Tu es rentré dans la rue, tu es devenu fou. Lui, quand tu chantes vers. Oui. C'est quelqu'un qui a une étoile très puissante. Mais son étoile vient d'être étouffée par la sorcellerie. Tu as besoin de passer une semaine. Sinon, ici, dans deux semaines, tu vas te mettre nu en train de courir. La folie. On dit qu'il envoya sa parole pour guérir. Dieu ne donne pas une révélation pour t'attrister. Il te donne une révélation pour te délivrer. Amen. Il te faut une semaine. Tu vas rester là une semaine. On va prier pour toi. Sinon, il y a un danger. C'est quoi, j'ai vu quelque chose sur toi. J'ai vu quelqu'un qui a plein fétiche. Vous savez, pendant qu'on prie, le Seigneur me montre des révélations. Il allait jeter ça sur le plomb. Tu es en train de discuter chefferie avec quelqu'un. La personne a commencé à te gérer déjà un fétiche. On va voir ça tout à l'heure. On va voir la chose tout à l'heure. Je suis sorti, tu m'as vu tout à l'heure bouger. Parce que la maman de lui, elle l'a tiré vers ta mère. Oui. Elle a sommé un bois. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Tout le Seigneur signé le décret de mort. Amen. 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 Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je veux qu'on appelle Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, dit Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je ne me mets pas là pour dire Dieu m'a dit. Quand je dis Dieu m'a dit, il faut noter ça. Prends au Seigneur. Prends au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Où est le grand détail? Célestin, vous plaît. Oh, ma bouchée. Ouais, on dit ma bouchée, c'est bon. J'ai vu que l'onction l'avait touché tout à l'heure. Amen. C'était, vous voyez, Dieu a fait de lui quelqu'un de très important. Amen. C'est un des bons. J'étais là, il est mauvais. Dieu. Amen. Il n'est venu pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Amen. Même pas pour les gens, on peut le lui. J'ai beau dire les délivrer, on dit non, pour les prendre cadeau. Donne un cadeau. Les gens étaient prêts pour le gérer, montrer le revolver, tu vas le voir la battre. Je le prends, l'accompagner, le tuer. On l'a récupéré. Donc, quand j'avais mon seul ami, ça l'a touché. Chacun sait où l'équité. Chacun sait où l'équité. Chacun sait ce qu'il vit. Donc, c'est une parole qui l'a vraiment touché. Les gens s'en vont, cet ami, les restes. Il a compris. Profondeur de ce cantique. Ils l'ont abandonné. Même saint franc. C'est une vie. On l'a récupéré. On l'a dit, on le nourrit. C'est une vie. À part la sorcellerie, Dieu l'a délivré. Tu seras un grand homme de Dieu. Amen. La femme qui a servi sa femme, tu vas servir Dieu. Amen. Amen. Communique l'onction. Amen. Tu vas commencer à voir les choses les plus cachées. Oh. Il a servi Satan. Il mangeait un bas, sauce arachide. Sa spécialité, c'est sauce arachide. Il a tué papa, il a tué maman. Il a braisé tout le monde de manger. Ça, il a servi Satan. Il va servir Dieu. Amen. Et Dieu a commencé à sourire. Amen. Amen.
Amen. Va servir Dieu. Amen. Satan, c'est un menteur. Satan l'a blagué dans le passé. Maintenant, là, il va servir Dieu. L'onction que c'est ma vie, je dépose ça sur toi. Amen. Et toi, maintenant, tu as poussé sur le ciel et des larmes. Amen. Mais c'est comme ça. Amen. Je vais les désarmer. Je vais les désattirer, ça. Yes. On va plus manger là-bas. Amen. Parce que même là, ils sont bons copines, ils me mangent deux fois. Ils mangent pour nous, puis la nuit, ils mangent pour là-bas. Et ce. Dieu va puissant. C'est ça l'amour de Dieu. Incommensurable. Amen. Tu ne peux pas comprendre ça. Non. Ah non, c'est ça l'amour de Dieu. Toi, pendant que tu condamnes, Dieu même, il voit ce que tu fais dans le secret là-bas. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Tu as dit que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. On dit amen. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Amen. Le message. Vous avez vos Bibles. Amen. Nous sommes un culte. Bible. Vous avez déjà les Bibles. Montrez-moi les Bibles. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son péché. Tu peux chanter. Je sais que la Bible. Je sais que la Bible. Elle est la parole du Seigneur, je la serai dans mon cœur. Je sais que la Bible est vraie, oh, je sais que la Bible est vraie. Qui c'est bien chanté là? C'est merveilleux, c'est que Dieu veut, son précieux, il est toujours prêt. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux, c'est que Dieu veut. Je sais que.